Alors là, je vais faire plaisir à toute une série d'auditeurs de notre chaîne, parce que ça fait très longtemps qu'ils me réclament d'inviter Michel Onfray. Donc, je suis très content que vous soyez là, j'espère leur faire plaisir. Et je suis très content de vous inviter parce que vous êtes un animal assez rare en France, si je peux me permettre. C'est-à-dire que votre pensée a évolué au travers du temps. Au fur et à mesure, vous appreniez des choses, que vous lisiez, que vous aviez des expériences. Vous avez pas changé votre façon de penser, mais vous avez évolué. Et je trouve qu'une pensée qui n'évolue pas, ça tombe assez facilement dans l'idéologie. Et à ce moment-là, ben, les progrès s'arrêtent, en quelque sorte. Donc vous êtes un, si je veux dire, un homme de progrès. Un homme de progrès. Surprise. Surprise. Un homme de progrès intellectuel, en tout cas. Et très curieusement, il y a toute une série de gens en France qui vous reprochent d'avoir évolué. De plus être celui que vous étiez il y a 20 ans. Et c'est un reproche qu'on a fait à beaucoup d'intellectuels en France. Donc je suis très content de vous inviter. Et puis je suis content de vous inviter aussi, parce que vous êtes normand, je crois. Si je ne me trompe, le patron de la Normandie, c'est Saint-Michel, non? Et que le rôle de Saint-Michel, c'est de terrasser le prince du mensonge, le diable. Et dans le fond, vous vous êtes donné comme destiné de vous battre contre le mensonge ou le non-dit. Compliment. Mais, oui, vous avez raison. C'est le Mont Saint-Michel qui est là pour nous le rappeler. Pour vous le Avec rappeler, etc. effectivement. Donc, quelqu'un qui a comme vue de nous libérer du mensonge, c'est une très belle entreprise. Hein. Donc, je vais vous poser un certain nombre de questions. Certaines seront sur votre dernier Front populaire qui vient de sortir, qui touche un sujet un peu brûlant, qui est l'immigration. Puis d'autres seront plus. Et la première, je voudrais vous poser une question, puisque vous vous dites philosophe. Je ne me dis pas, On le on me le dit. dit, mais Enfin, j'y consens. j'y consens. Ça ne vous gêne pas qu'on vous appelle philosophe. J'ai été un très mauvais élève, mais j'ai fait des études de grec et on m'a appris que ça voulait dire ami de la sagesse. Hein. Donc, en tant que l'ami de la sagesse, je voudrais que vous me donniez votre opinion. Dans notre siècle, enfin, au XXe siècle, il y a deux nations qui sont devenues folles, c'est la Russie et l'Allemagne. Hein. Folles. Et j'ai l'impression que notre monde est en train de devenir fou. Notre civilisation est en train de devenir folle. C'est-à-dire que toute notre civilisation, c'était la recherche du fait. Une fois qu'on l'avait trouvé, on essayait d'en expliquer les causes, et puis les conséquences si on faisait rien, et comment on pouvait améliorer. Donc c'était une situation qui était fondée sur une recherche de l'objectivité. Or, j'ai l'impression que notre siècle, enfin aujourd'hui, il n'y a plus de pensée objective, tout le monde est devenu subjectif. J'ai l'impression qu'il se passe un phénomène de retour à la pensée magique. Et je voudrais avoir votre opinion là-dessus, parce que honnêtement, ça me trouble beaucoup. Oui, vous avez raison. D'abord, vous me dites, j'ai évolué. Le monde a changé aussi. Je veux Oui, c'est dire que parfois, c'est vous restez à la même place, c'est le monde qui c'est bouge. peut-être ce que j'allais vous dire. Parce que, je veux dire, moi, je viens de loin sociologiquement. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. Je l'ai beaucoup dit. Il n'y avait pas de livres à la maison, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de possibilité d'aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, de quitter le pays, d'entendre une langue étrangère, de visiter un musée, évidemment, d'aller à l'opéra ou au restaurant, tout ça, c'était impossible, c'était impensable. Donc moi, d'une certaine manière, je me construis tout seul à 17 ans. Et comment se construit-on? Avec quelques modèles. Donc on a des chances, on rencontre des gens qui peuvent être des chances, et j'ai eu quelques chances dans mon existence. D'abord, il y avait mon père qui était un personnage virgilien, ce que j'ai compris beaucoup plus tard, mais j'ai quand même eu la chance d'être le fils de cet homme-là. Et puis il y a eu dans mon village un coiffeur qui a été résistant à l'âge de 17 ans, déporté, qui m'a raconté sa déportation, et chez qui j'allais régulièrement, et qui m'a fait lire des bons auteurs. J'ai lu par exemple Voline, La Révolution inconnue, très vite et très tôt, j'avais 15-16 ans, et j'ai lu L'Archipel du Goulag en 1974, parce qu'il me l'avait mis dans les mains en me disant, lis ça. C'était dur, Et hein. c'était majeur pour moi. Et bien sûr, C'était ça fait majeur une révolution, c'est c'était ça les qui a bons fait tomber. livres, c'était le bon personnage qui me fait lire les bons livres, il m'a fait gagner du temps. C'était votre monsieur Germain, si j'ose dire, avec Ah, Camus. ça a été l'un de mes messieurs Germain. Il y a eu mon père, il y a eu ce coiffeur, puis il y a eu ensuite mon vieux maître Lucien Jaffagnon, mais là c'est un peu après, 17 ans, 18 ans. Et de fait, on a une pensée qui se fabrique au fur et à mesure. Oui, tout à À fait. 17 ans, on a une vision du monde. Et un peu par hasard.
Un peu par hasard, vous voulez dire? Je veux dire un peu par hasard. On tombe sur des livres qui vous bouleversent. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas de, plan d'une recherche. Lire 500 mauvais livres. Exactement. Et si quelqu'un nous dit « lis ça, c'est important », tomber sur « La révolution inconnue » de Voline, penseur anarchiste qui nous explique que la révolution russe est une supercherie, enfin, que elle se fait pour les soviets, c'est-à-dire pour les conseils, et qu'en 1921, quand les ouvriers disent « mais on a fait ça pour les conseils, on n'a pas les conseils, on a parti », eh bien, Trotsky envoie l'armée rouge. Et en 1921, et d'ailleurs, on ne commémore pas ce centenaire. J'aimerais, moi, qu'on puisse commémorer les marins de Kronstadt qui, eux, disent, nous, on a fait la révolution pour les soviets et on a le parti qui nous empêche de vivre, de penser, etc., etc. Donc, ma pensée a évolué parce qu'au fur et à mesure, évidemment, j'ai travaillé. Et si on lit régulièrement, pendant tout ce temps-là, il a fallu que je me fasse ma culture tout seul. J'ai aussi une culture d'autodidacte, pas normalien, pas agrégé, pas parisien. J'ai travaillé très vite pour me payer mes études. Plutôt des trucs à décharge, ça. Oui, je suis d'accord, mais on le sait après. On le sait après, absolument. Et donc, on a d'une certaine manière une tendance à cette époque-là à se faire une espèce d'idéologie clé en main. On est de gauche, parce que la gauche, c'est le bon camp, et puis la droite, c'est des méchants. À gauche, on est pour la justice, pour l'humanisme, pour le partage, pour la fraternité. On a fait la Révolution française pour sortir d'une féodalité qui était une catastrophe, et qui, etc., etc. Et puis à droite, c'est des méchants, c'est des capitalistes, ils font de l'argent, il n'y a que l'intérêt qui... Donc on rentre dans cette logique politique. Puis dans la logique religieuse, il y a les gentils athées qui sont plutôt pour la raison, pour l'intelligence, pour la réflexion, la culture. Et puis il y a les méchants cléricaux, les curés qui veulent absolument exploiter. Et puis il y a une alliance du capital et des curés, etc. Moi je pars de ça, une espèce d'idéologie clé en main. Et je souscris à cette façon, j'allais dire, de penser, mais de ne pas penser. Et il faut, au fur et à mesure, déconstruire par soi-même tout ça, quoi. Pour s'apercevoir que c'est pas si simple, effectivement. Et donc, oui, il y a un changement chez moi qui est le changement de quelqu'un qui travaille depuis, je sais pas, 4, 2, 6, 40 ans. C'est 40 ans de lecture, 40 ans de réflexion, 40 ans de travail, des œuvres complètes avalées, comme ça, tout Spinoza, tout Kant, tout Hegel, tout Nietzsche, tout Freud, etc. Et il y a un moment donné où on se dit, mais l'importance, ce qui pour le coup pourrait distinguer la droite et la gauche, c'est que la droite verrait ce qu'elle voit, alors que ou croit ce qu'elle voit, pendant que la gauche voit ce qu'elle croit. Oui. Et de fait, il y a un moment donné, on se dit, mais non, moi je préfère voir ce que je vois et croire ce que je vois, parce que le réel m'enseigne un certain nombre de choses. Et alors après, on dit, oh, mais vous avez... Ça, mais le réel m'enseigne un certain nombre de choses, c'est absolument essentiel, et c'est le moment où vous devenez adulte, en quelque sorte, où vous vous libérez de l'espèce de dictature intellectuelle que les gens de gauche essayent de vous coller sur vous. Quoi. Ça veut dire que penser une chose à 20 ans et trois fois 20 ans plus tard penser la même chose, c'est suspect. C'est de se dire, on n'a pas pensé, on n'a pas évolué, on n'a pas réfléchi. Je défendais des idées que je défends toujours, je dis simplement, mais la gauche a changé aussi. Complètement. On ne peut pas imaginer que, par exemple, la gauche de Jaurès aurait pu imaginer une seule seconde qu'on puisse louer des utérus de femmes. Bien sûr que non. Acheter des gamètes, de spermatozoïdes, ovules, etc. Fabriquer ce qu'on est en train de faire en ce moment, essayer de faire des chimères entre des singes et des hommes. Enfin, c'est une histoire de fou. Donc on se dit, oui, le monde a changé, oui, j'ai moi-même changé, oui, j'ai évolué sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'on voit un peu le monde en noir et blanc quand on a 15 ans. Et plus tard, eh bien, surgissent les couleurs, puis surgissent les distinctions. Puis à un moment donné, odeurs, parfois, parce que parfois, ça sent mauvais. Hein. Oui. Et il y a une phrase importante pour moi, qui était celle de Camus, qui dit à un moment donné, vous savez, c'est dans la polémique de l'homme révolté. Évidemment, Camus, homme de gauche, mais Sartre, homme de gauche, mais pas la même gauche. Une gauche libertaire chez Camus, une gauche débarbelée chez Sartre, marxiste-léniniste. Et il écrit l'homme révolté pour dire, bah, regardez, quoi, regardez ce qui se passe. On a mené un combat antifasciste contre les camps de la mort. Finalement, il se passe la même chose en Union soviétique. On est en 52. Et Sartre dit, ah, mais le Figaro fait des bons papiers sur ce livre-là. C'est bien la preuve que c'est un livre de droite, donc un mauvais livre. Et Camus dit à un moment donné, mais si la vérité devait être de droite, alors je serais de droite. Et je me souviens, j'avais relu ce que j'avais lu et lu l'intégralité, les 4 volumes de Pléiade. Et je prenais des notes. Et à un moment donné, je lis cette phrase et je suis tombé en arrêt en me disant, mais si cette phrase est juste, et elle est juste, bien sûr, qu'est-ce que ça doit générer dans ma vie? Et je me suis dit, alors ça doit générer des changements considérables. Mon problème n'est plus de penser en termes de bien-mal, en termes de droite-gauche, en termes de athée-croyant, mais en termes de vérité-erreur, justice ou erreur, une fois encore.
Et là, pour le coup, ça m'a valu effectivement d'être exclu par un camp. Alors j'ai commencé à faire fonctionner cette méthode-là sur Freud, et ça a été pour moi une espèce de rideau qui s'ouvrait, et j'ai découvert l'espèce de théâtre de cette gauche prétendument morale, de cette façon pour cette gauche de tenir les manettes. Le camp du bien. C'est ça. Et là, je suis devenu libre, et c'est quelque chose vous qui arrive. Vous êtes devenu libre, c'est ça la phrase essentielle. Oui. Je me souviens très bien au moment de, vous savez, Pol Pot qui a tué tous ces gens au Cambodge. Il y a La Couture qui était un journaliste de gauche, on lui a dit, mais vous étiez au courant. Il a dit, je ne pouvais pas le lire, puisque c'était le premier qu'il avait annoncé, c'était Le Figaro, encore une fois. Donc, il était plus donc, quelque part, La Couture disait, les 3 millions de morts, ça n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est que le mal a été dénoncé par Le Figaro. Mais on s'en fout. C'était comme si, vous voulez, comme dans, si en 1938, 39, 40, 41, 42, les types antisémites, qui n'étaient pas antisémites, qui aidaient les juifs, étaient des gens de droite. Il y en a eu. Mais c'est pas pour ça qu'il fallait pas aider les juifs. Quoi. Je veux dire, c'est comme vous le dites, à un moment, c'est la vérité. C'est plus le bien. Raisonner en termes moraux, bien mal, c'est se limiter terriblement. Parce que d'abord, c'est pas, comme le disait De Gaulle, gouverner, c'est pas choisir entre une bonne et une mauvaise solution, c'est choisir entre deux mauvaises. Et si vous voulez, de temps en temps, il faut choisir entre deux mauvaises solutions, et c'est là que c'est difficile. La leçon, c'était qu'on ne naît pas libre, mais qu'on le devient. Alors que souvent, c'est « alors, on est libre ?» Ah bah oui, on est libre, ça c'est la pensée de droite. Est-ce qu'on est libre ? Ah bah non, on ne naît pas libre, parce que finalement, il y a les déterminismes sociaux, éventuellement les déterminismes psychanalytiques, etc. Et puis, on s'est dit « mais c'est ni l'un ni l'autre. » C'est-à-dire, la liberté, c'est une conquête. Mais ce qui est une conquête, et qui ne peut être qu'individuelle. C'est-à-dire que c'est chaque individu qui doit chercher lui-même sa propre liberté au travers de son propre travail. Et on peut être aidé. C'est là où vous avez besoin des anciens. Voilà. Si vous avez besoin de l'éducation. C'est là que l'éducation devrait travailler à rendre les gens libres. Absolument. L'éducation, la transmission, les bibliothèques, le savoir, la culture, les professeurs, les instituteurs. Et les gens que vous rencontrez dans votre famille, qui parfois vous donnent des leçons de vie incroyables, quoi, comme votre père, j'imagine. Donc, dans ce que je veux dire par là, c'est que vous avez fait ce chemin, et quelque part, étant normand, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, mais l'Angleterre a été beaucoup en Normandie. L'inverse, vous voulez dire. La Normandie était beaucoup en Angleterre aussi. Rappelez-vous Guillaume. Hein. Absolument. Et quelque part, si vous voulez, cette démarche que vous faites, c'est celle des gens intelligents en Grande-Bretagne qui commencent et qui va Sir Roger Scranton qui vient de mourir, qui était une réflexion sur comment devient-on libre tout seul. Vous voyez, je ne vous dis pas tout seul, mais en s'appuyant sur l'histoire. Et il y a donc une méfiance profonde des Anglais pour les changements qui se passent du sommet. Eux, ils disent, les changements, ils doivent venir de la base, et puis ça monte doucement, comme ça. Et donc, cette pensée de gauche est aussi une pensée qui cherche toujours à changer, à prendre le pouvoir en haut, pour ensuite changer les choses et changer l'homme, en quelque sorte, ce qui est très difficile. Alors qu'une pensée conservatrice de qualité, c'est de maintenir les éléments d'instruction et d'information qui existent à l'échelle locale, pour que les gens puissent devenir libres, même s'ils sont garçons coiffeurs, comme je veux dire. Donc, cette façon aussi de voir les changements, l'Angleterre favorise le changement individuel, par lequel la société, dans son ensemble, s'améliore, et puis nous, on cherche, dans le fond, on a des gens qui savent en haut, et qui vont essayer de faire notre bonheur, quoi. Mais moi, je veux pas qu'on fasse mon bonheur, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une façon, vous avez une façon très anglo-saxonne de réfléchir. Pas sûr. Moi, je dirais, c'est quand même très français. Oui. Mais un certain type de pensée française. Par exemple, quand j'ai lu l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre qui nous parle de la Révolution française sans qu'il soit question de Marat, de Robespierre, de Charlotte Corday, de Danton, de Mirabeau? On se dit, mais il est question de rien. En fait, il montre que les structures de pouvoir ne changeaient pas. C'est ça, c'est l'essentiel. La leçon, c'est ça, c'est de nous dire, mais la Révolution n'a pas été une révolution, puisque depuis Philippe de Le Bel, il y a une centralisation parisienne, et que cette centralisation parisienne n'a pas été touchée par la Révolution française. Pire, ça a même été le personnel judiciaire n'a pour ainsi dire pas changé. C'est-à-dire, c'était les mêmes juges qui ont fait toute la période comme ça, tranquillement, sans qu'il leur arrive rien. Ce qui est très extrême. Et là, on se dit, mais il y a cette tradition française
de la centralisation jacobine. Alors, on est même jacobin à l'époque de Philippe le Bel, si on veut extrapoler. Ben, c'était les légistes, Guillaume de Nogaret. Absolument, jusqu'à même à Emmanuel Macron aujourd'hui, en passant évidemment par Napoléon, le général de Gaulle, je n'oublie pas Robespierre dans cette aventure. Vous savez que vous venez me faire perdre beaucoup d'argent, là. Vous avez prononcé le mot de Macron, alors il paraît qu'avec les algorithmes, notre conversation va être beaucoup moins bien payée parce que vous avez prononcé le nom du président de la République. Hein, je ne pense pas, au contraire. Si c'est moi, au contraire, je vous assure qu'on sait bien que le propos sur Macron ne sera pas macronien. Mais je veux dire que la centralisation démocratique, elle travaille avec un autre courant français qui est plutôt le mien, qui est plutôt, pour le coup, girondin, qui est plutôt populiste, populaire. La France des territoires, comme on dit aujourd'hui. Enfin, c'est terrible cette expression, ce mot territoire. La France des régions, la France des provinces. Mais bien sûr, la France des provinces, c'était la France des provinces. Mais si on utilise le mot région ou province, pour le coup, on revient à la féodalité, et alors le politiquement correct vous dit « Ah, mais vous faites l'économie de la Révolution française ». Mais je veux bien faire... On peut pas faire l'économie de la Révolution française, mais on peut peut-être dire qu'il y avait une France avant la Révolution française, non? Ah mais bien sûr, et que peut-être c'était le meilleur de la France. C'est une espèce d'opposition entre les parlements régionaux et la façon de tempérer le pouvoir royal par les parlements régionaux est quelque chose dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui. Cette façon de dire, mais il n'y a pas que des territoires qu'on pourrait massacrer d'ailleurs. On refabrique des régions en découpant dans n'importe quel sens. Par exemple, dans la région, j'ai passé mes études à Toulouse, donc vous voyez. Parce que mon père était officier, donc on se baladait partout. J'ai terminé à Toulouse, j'ai adoré. C'est là que j'ai appris à jouer au rugby, c'était très bien. Et ils ont mis dans la même région Toulouse et Montpellier. Oui. C'est complètement crétin. C'est les deux grandes universités, les deux premières en France, et qui se haïssent cordialement depuis toujours. Vous pouvez pas, ou vous êtes Montpellierin, ou vous êtes Toulousain. Ouais, je veux dire, donc cette histoire de coller dans la même région deux grandes universités qui se détestent depuis la nuit des temps, c'est de faire preuve d'une incompréhension de ce qu'est la France, qui est tout à fait surprenant. Une méconnaissance de l'histoire. Alors moi, je ne vais pas me plaindre, parce que réunir Haute et Basse Normandie, ça avait du sens. C'était peut-être d'ailleurs la seule région censée historiquement. Mais les autres ont été faites n'importe comment. Mais là encore, c'est pas n'importe comment, parce que l'intérêt, c'était de détruire les identités régionales. Il faut nous fabriquer des régions qui soient sans identité. Des espèces de morceaux coupés et découpés, comme un enfant. C'est ce qu'on avait fait dans le Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. Quand on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. C'est ce qu'on a fait avec l'Afrique. Moi, je suis un peu collectionneur d'art africain. Ouais. Eh bien, si vous voyez une carte de l'Afrique comme collectionneur d'art africain, vous n'aurez aucun des pays. Il n'y a pas de l'art nigérian, il n'y a pas de l'art sénégalais, il n'y a pas de l'art... Vous avez les tribus. Mais voilà, c'est ethnique. Et quand on a imposé, c'est le problème de l'Irak et de la fameuse guerre, mais quand vous dites, mais on va fabriquer un pays, on va tirer comme ça un grand trait, puis on va dire, voilà, ça va être Niger, Nigeria, et puis ça n'a aucun sens. Donc quand l'empire colonial n'est plus là, l'ethnie se réveille, et puis on voit ce que ça donne. Et c'est exactement la même chose avec l'Europe, quand on a pu fabriquer, sinon des empires, du moins des nations, de manière artificielle, il y a toujours un moment donné où il y a un retour du refoulé. Les Balkans ont été un très bon exemple. Complètement. Il n'y a que deux hommes qui comprennent quelque chose aux Balkans, comme on disait au 19e, ils ne sont pas d'accord entre eux. Quoi. Oui. C'est une complication. Alors, donc ça, c'est un peu votre parcours. Alors maintenant, compte tenu de ce parcours, j'ai la sensation que nous sommes en train de vivre un recul très profond de nos libertés fondamentales. Et depuis un an et demi ou deux ans, ça n'a fait que s'accélérer. Alors j'aimerais avoir un petit peu vos commentaires là-dessus, parce que j'ai l'impression que tous les outils institutionnels qui protégeaient nos libertés individuelles, comme le Conseil d'État, etc., se couchent avec une rapidité extraordinaire. Vous donnez le monopole de la violence légitime à un organisme pour que la nation fonctionne. Et puis ensuite, la question, c'est comment je contrôle ce monstre qui ne martyrise pas. Et donc, on avait trouvé toute une phase de contre-pouvoir, la dépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. Et j'ai l'impression que tout ça, en ce moment, je me trompe peut-être, est en train de voler en éclats. Alors je voudrais... Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'équilibre institutionnel? J'ai l'impression qu'il y a un recul profond de nos libertés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors moi, j'ai fait de la photo à une époque de l'argentique, et j'avais un laboratoire. Vous savez, il y a un moment donné, vous faites un cliché, et puis si vous êtes 3 ans sans développer votre bobine... Elle est foutue. Non, il n'y a pas de photo. Puis à un moment donné, vous allez développer, puis à un moment donné, vous allez faire un tirage, puis à un moment donné, vous allez passer au révélateur, au fixateur, au bain d'arrêt, puis à un moment donné, vous allez avoir le cliché. Et je pense qu'en matière de civilisation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut remonter beaucoup plus en amont. D'accord. Je pense que là, simplement, on voit apparaître le cliché parce qu'on vient d'utiliser le révélateur. Et le révélateur,
le Covid est un révélateur et que d'un seul coup, on voit monter, et c'est toujours un peu magique d'ailleurs, quand vous voyez sur le papier, vous voyez monter la photo, vous voyez monter l'image. Et si je peux me permettre, c'est ce qui est arrivé un petit peu avec le Saint-Sphère. Quand le type a pris sa photo, et qu'il ne savait même pas, on a vu la photo de ce crucifié. Type, il a dû avoir l'émotion de sa vie. Quoi. Oui, ça, c'est autre chose. C'est autre chose, non, je veux dire, mais c'était une forme de photo. Bien sûr, quoi. Oui. Et donc, moi, je pense que si on veut vraiment remonter à la date de la prise de la photographie, c'est pas parce qu'on la voit surgir avec le révélateur que pour autant, c'est le Covid qui rend ça possible. Non, le Covid éclaire un petit peu ce qui était visible depuis au moins 1944-1945. Je suis normand, comme vous l'avez dit gentiment, et moi je pense qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel le 6 juin 44, quand les alliés, c'est-à-dire les Américains et d'autres qui sont associés, viennent prétendument pour libérer l'Europe du nazisme. On sait très bien que les Américains viennent parce que Hitler leur a déclaré la guerre, qu'il est en train de travailler une bombe atomique, qu'il a des avions à réaction, que pour l'heure ces avions à réaction ne peuvent pas porter les bombes atomiques, mais que c'est question de mois, on ne sait pas très exactement combien de temps ça prendra. D'ailleurs, Werner von Braun, qui travaille à tout ça, travaillera à la NASA quelques temps plus tard à permettre aux États-Unis d'aller sur la Lune. Et que les Américains ne viennent pas parce qu'ils aiment tellement la liberté qu'ils sont là pour se sacrifier, etc. Ils viennent en se disant, cette guerre qui nous serait menée sur notre propre territoire, il faut la mener sur le territoire européen. Et le territoire européen, ce sera l'avant-garde d'un combat que nous allons mener jusqu'à Moscou pour en finir avec l'Union soviétique et le communisme. Donc c'est dans cette configuration-là, configuration impérialiste américaine, que les Américains arrivent, utilisent le napalm. D'ailleurs, il faut savoir que le napalm a été utilisé pour la première fois après le 6 juin 44, enfin dans les semaines qui ont suivi le 6 juin 44. Et donc il y a un désir à ce moment-là, mais vous savez tout ça, mais de transformer la France en colonie, puisque l'AMGOT, cette fameuse politique que les Américains voulaient mener, c'est-à-dire l'administration des territoires occupés, supposée, monnaie a été battue, il y a eu des billets qui ont été faits, etc. Il était question de transformer la France en province, et d'ailleurs l'opération du 6 juin 44, c'est Overlord, et Overlord ça veut dire suzerain. Donc il n'était pas question d'autre chose que de vassalité. Et la vassalisation, elle s'est imposée avec les États-Unis, et ça c'est la prise du cliché. C'est-à-dire qu'ils nous ont imposé leur mode de vie américain. Et maintenant, on commence à développer la photo, on se dit, mais finalement, tout ça, c'est-à-dire la télévision, la radio, la disparition de la famille, le formica, le ciné, pour le dire dans le vocabulaire de Jean Ferrat, dans cette fameuse chanson, qui n'a pas eu d'un succès sans raison, la montagne. Le général de Gaulle a dit, ah non, pas du tout, il n'est pas question que la France soit une province des États-Unis. Moi, j'ai placé mes préfets, ils sont issus de la résistance. Et donc, votre administration qui prévoyait de recycler Pétain, le pétinisme, etc., parce que c'était des anticommunistes et qu'on pouvait compter sur eux, ça ne se passera pas comme ça tant que je serai là. Tant que le général de Gaulle a existé, politiquement, je dirais jusqu'en 1969, les Américains ont eu du mal à s'installer. Quand il est décédé, avec l'arrivée de Pompidou, mais surtout avec l'arrivée de Giscard en 1974, alors là, pour le coup, ça a été plein pouvoir pour cette civilisation-là. Tout à fait, parce que Giscard a accepté, dans son discours de... J'avais assisté au discours de Giscard quand il a été élu. En anglais, donc. En anglais, ce qui était déjà invraisemblable. Et il avait dit, la France est trop petite. Voilà. Et je m'étais dit, mais il est fou ce type, la France ne peut pas être trop petite. On est président de la République, on a 2000 ans d'histoire sur les épaules, comment peut-il dire la France est trop petite? Et tout ensuite, pendant les 50 ans qui ont suivi, on n'a pas arrêté de nous dire, il faut fondre la France qui est trop petite dans quelque chose qui nous permettra d'exister. Mais oui. J'existe en tant que Français sans avoir besoin de Bruxelles, quoi, je veux dire, c'était... Et en effet, moi, à mon avis, pas tellement Pompidou, qui était un homme de la terre, qui arrivait du Cantal et qui était... Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Et je crois qu'une des grandes armes de la France, c'est que Pompidou soit mort et qu'on a eu droit à Mitterrand, parce qu'il n'aurait jamais été réélu. Et on a eu droit à Mitterrand, qui a été une catastrophe. Bon. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en effet, c'est à ce moment-là que la génération dont je dis qu'elle avait connu la défaite, qui avait vu les Allemands défiler sur les Champs-Élysées, a perdu confiance dans notre pays. Oui, mais je pense que la fin de la liberté de pensée, d'expression, elle date de cette époque-là. C'est-à-dire que bon, il fallait faire avec la guerre froide, donc on a eu des marxistes purs et durs comme Sartre, et les États-Unis ont vu d'un bon œil arriver les nouveaux intellectuels, genre Foucault, Deleuze, Guattari, parce que le structuralisme, c'était formidable. On le sait depuis, il y a des rapports de la CIA qui disent, mais très bien, ces gauchistes avec leur structuralisme, ils n'obtiendront pas la révolution, ils ne vont pas rouler pour l'Union soviétique, c'était plutôt des trotskistes anti-staliniens, et à partir de ce moment-là, on a dit très bien, laissez faire ces intellectuels, et on a vu des gens de seconde zone, genre BHL et quelques autres, qui ont repris la suite en disant, très bien, vive les États-Unis, l'American way of life, l'anti-américanisme, etc. Enfin, vous savez ce que m'a dit un ami chinois qui m'a fait pleurer de rire, récemment.
Il m'a dit, écoute Charles, c'est pas difficile. Les virus qui foutent des maladies terribles dans le monde entier, dans l'histoire, c'est toujours venu de Chine. Et les idées à la con, c'est toujours venu du boulevard Saint-Germain, quoi. C'est pas faux. C'est pas Donc, faux. Il dit, chacun spécialise comme il peut. Vous, vous foutez le virus intellectuel à tout le monde. Ah oui, oui. Et nous, on fout le virus médical. Et le structuralisme années 60, années 70, alors c'est ce qui débouche aujourd'hui sur le décolonialisme, sur les questions de genre, sur les questions de néo-féminisme, le racialisme, etc., etc. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à perdre nos libertés. Dès qu'on a appris, on a plus appris à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école. Dès que on a appris le catéchisme, un recul social invraisemblable. Ah, mais totalement. Parce que moi, quand j'étais enfant, si vous voulez, j'étais fils d'officier, donc j'allais dans l'école de jésuites ou dans le lycée. Il n'y avait pas de différence de niveau entre les deux. Bien sûr. Justement, Camus avec M. Germain, et sa mère ne savait pas lire et c'est devenu Camus. Absolument. Et donc, le rôle de la France, c'était quand même d'avoir cette espèce d'école. Et la gauche, pour des raisons que j'arrive pas à comprendre, a détruit cette école républicaine. Donc vous êtes issu. Oui, je suis issu aussi. Je suis issu d'une école ancienne, c'est-à-dire le temps que la modernité arrive en province. Voilà, c'est ça. Et dans les écoles de campagne, quand on a eu des instituteurs qui, comme moi, avaient une cinquantaine d'années quand j'avais 10 ans, par exemple, c'est des gens qui avaient été fabriqués à la vieille méthode du 19e siècle. Donc on avait des instituteurs dans l'esprit de la Troisième République. Donc on apprenait la propreté. On faisait voir ses mains, ses oreilles. Si on avait les oreilles sales, on se prenait une gifle. Aujourd'hui, il part tout de suite en prison, l'instituteur qui fait ça, immédiatement. Moi, j'ai été pion au lycée d'Auch pour payer mes études quand j'étais dans le sud-ouest. Et il y avait les pères qui m'amenaient leurs enfants, comme ça. J'étais pion aussi d'internat. Ils m'amenaient leurs enfants et ils me disaient, et si vous lui mettez une claque, hein? Voilà. Et parce qu'il ne comprend pas bien. Ah oui. Et donc ce sont les parents qui disent ça aux enfants. Si l'instituteur t'emmerde, tu lui mets une claque. Non, mais je veux dire. Et personne n'a trouvé ça. Ce qui fait que l'espèce de destruction du cerveau, qui a été initiée dans ces années-là, fait qu'aujourd'hui, le danger ne vient pas de l'application Covid que nous aurions sur nos téléphones portables, ce que j'ai. Moi, je n'ai pas l'impression d'être en péril en ayant téléchargé cette application, mais j'ai l'impression que notre civilisation est en péril quand elle ne sait plus ni lire, ni compter, ni penser, ni réfléchir, ni débattre, mais qu'elle ne connaît plus que l'insulte, le mépris, l'agressivité. Le livre s'effondre, la lecture s'effondre, les écrans prennent les pleins pouvoirs, les enfants ne sont plus capables de se contrôler, de se concentrer, se contrôler non plus, donc, par conséquent, mais plus de 4 ou 5 secondes ou 10 secondes, parce que finalement, la concentration, ça va jamais au-delà. On dit, mais la recherche du temps perdu, on va vous faire un petit raccourci. Mais ou vous une allez... bande dessinée. Ou une bande dessinée, mais il y a encore mieux. Vous savez, il y a Elon Musk, qui est hélas notre avenir, et qui, lui, a décidé qu'on pouvait programmer dans votre cerveau la lecture d'un livre que vous n'aurez pas lu. Et ce que Elon Musk fait aujourd'hui avec Neuralink. Ça va être génial pour les types de l'ENA, ça. Eh bien, l'ENA, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que c'est un prototype. Ils ont leur carte. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu la recherche du temps perdu. Vous avez fait des fiches, intégré tout ça, puis vous y allez. Mais je pense que le danger n'est pas dans le fait qu'on ferait un passeport vaccinal ou qu'on aurait l'application Covid. C'est dans l'abrutissement général. Le recul des libertés, mais je dis, mais pas du tout. Le recul de liberté, ça se fait avec l'acide qui détruit l'intelligence. C'est-à-dire que vous revenez à ce que vous avez dit, que vous, votre recherche, c'était de devenir libre. Et vous êtes en train de dire que la façon dont vous l'avez trouvé, c'est par l'éducation, l'enseignement, les livres, et qu'on est en train d'empêcher des générations entières de se libérer comme vous, vous êtes libéré dans le temps. Oui. Et que c'est ça le danger. Là, par exemple, on est en train de toucher au chef-d'œuvre. Par exemple, des traductions de la Divine Comédie ont été amputées des quelques vers qui concernent Mahomet, parce que Mahomet se retrouvait en enfer et qu'il n'était pas possible de mettre sur le marché de l'édition la Divine Comédie avec ces quelques vers qui concernent Mahomet. On peut éventuellement mettre une note pour expliquer que... On va pas pouvoir mettre Voltaire, Winston Churchill... Mais à ce rythme-là, moi j'ai fait un petit texte un jour ironique en disant, mais je prenais des présocratiques jusqu'à Derrida en disant, mais à la poubelle un tel, parce qu'il a été misogyne, phallocrate, antisémite, parce que, etc., etc. Et personne ne s'en sort. C'est-à-dire, il faut intégrer la critique en disant, mais sur cette question-là, faisons une note, expliquons pourquoi Dante a pu mettre le nom de Mahomet dans l'enfer. Et que peut-être, il y a des gens... Et il y a le droit de penser que Mahomet est en enfer. Et puis après j'ai le droit de le penser. Absolument. Puis après, chacun se fait une idée. Mais il n'est pas question d'appeler à ce que nos amis belges appellent le libre examen. Moi, j'aime bien cette expression, libre examen. Le libre examen, c'est fini. Donc, je ne pense pas que, pour répondre plus directement à votre question, que nous soyons en danger
en matière de liberté de pensée, d'expression, parce que le danger, il est là depuis un demi-siècle et que, hélas, je crois que le cancer est très avancé et très métastasé. Et ce que vous dites est intéressant, parce que moi, j'ai écrit pas autant que vous, je sais que vous avez écrit beaucoup, beaucoup de livres, et que vous êtes, si j'ose dire, vous êtes le Lucky Luke des livres, vous tirez plus vite que votre ombre, quoi. Mais ça, c'est pas grave, au contraire, parce que j'en ai lu plusieurs, et ils sont tous de qualité, donc c'est... Ce que je veux dire par là, c'est quand on écrit, il se passe un phénomène que je trouve très intéressant, c'est que vous mettez en lumière des choses dont vous ne saviez pas que vous les pensiez. Il y a une espèce de... d'accouchement qui se passe à ce moment-là, qui est tout à fait extraordinaire. Et donc, si on empêche les gens, parce qu'ils savent plus ni lire ni écrire, de connaître les couches profondes de leur cerveau qui ne sont jamais mises en question, ben, je trouve que c'est une perte immense. C'est une perte absolument immense, cette espèce d'accouchement de ce que je ne savais pas que je pensais. C'est un moment, mais... de bonheur total, quoi. Vous savez, moi je pourrais expliquer, par exemple, moi j'ai écrit à la main, avec un stylo, avec un crayon, avec tout un cérémonial, cahier Clairefontaine, page de droite, le même stylo plume avec une encre noire, etc., avec un rituel d'occupation de l'espace. Et puis à un moment donné, je suis passé directement à la dactylographie. Et maintenant, je ne fais plus de brouillon. Bon. Mais le troisième stade, ou le troisième état, ce serait de dicter le texte. Vous avez aujourd'hui des gens Je sais pas si on peut y arriver, moi moi. non. Ça, Moi, je je peux suis pas, sûr parce que que non. j'ai besoin. Bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe entre le cerveau et la Bien main sûr. qui est pas, Absolument. qui est pas ça doit pas utiliser les mêmes coins du cerveau Tout que à fait. la parole. Bien sûr. Il doit y Mais vous avoir d'autres imaginez, trucs qui sont quand vous mis en dictez, pause. vous imaginez, vous parlez, et puis d'un seul coup, vous avez le texte qui arrive, et d'une certaine manière, si vous êtes un peu bavard, en 3 heures, vous avez un livre. Il y a un moment donné, on n'aura plus besoin d'écrire à la main, plus besoin de dactylographier, où on pourra faire l'économie des mains, on pourra faire, et vous avez raison, l'économie des parties du cerveau qui rendaient possible la réflexion, parce qu'il suffira de, j'aime bien le mot verbigérer, mais il suffira de verbigérer, de parler, de parler, de parler, de parler, puis on verra apparaître un texte comme ça, dont on dira à l'éditeur, ben voilà, vous avez un Et manuscrit, alors est-ce là, il qu'on y a quelque pourrait en chose faire un livre? je travaille beaucoup sur les questions L'intelligence artificielle? d'artificiel artificiel appliquée au marché financier, Ah parce qu'il oui. y a des tas de trucs qui se passent qui sont. Et alors, bon, on monte des systèmes de pensée là-haut, bon, on s'amuse bien. Et on s'est rendu compte que, mettons que vous essayez d'expliquer l'économie ou les marchés financiers d'un pays, vous avez à peu près 5 variables qui seront des variables locales, purement locales, et puis 2 qui sont des espèces de réseaux de neurones qui recouvrent l'ensemble du monde, qui expliquent ce qui se passe dans le pays parce qu'ils s'expliquent dans l'ensemble du monde et qui frappent tout le monde à la fois. Vous voyez, et il y a des scientifiques à Harvard qui ont trouvé il y a 2-3 ans, on avait fait ça il y a 4-5 ans déjà, qui ont trouvé que dans notre cerveau, il y a des neurones qui couvrent l'ensemble du cerveau. Il y en a un ou deux qui font le tour, et puis il y a les autres qui s'occupent des trucs locaux. Donc, quelque part, je crois que l'écrit doit faire appel au gros neurone qui fait le tour du cerveau, et la parole, d'une petite partie simplement du cerveau. Oui, vous avez raison, mais vous savez, il y a ce beau texte un peu célèbre là de Victor Hugo quand il dit ceci a tué cela, etc. Enfin, dans Notre-Dame de Paris. Et il y a un moment donné où on pourra dire qu'effectivement des gens écrivaient à la main avec un calame ou avec un stylo Balzac, quand vous voyez des tout ce qu'il livres a qui écrivent. écrit à la main, Oui, enfin, il en est et après mort, on dira quoi. oui, mais à un moment donné ils l'ont dactylographié. Ah oui, puis à un moment donné on dit mais maintenant ils les ont parlé ces livres-là. Et puis quand on aura fait l'histoire de tout ça, on dira oui, mais maintenant de toute façon on aura par On communiquera par impulsion, on peut le dire presque dans un vocabulaire spinoziste, par impulsion d'intelligence artificielle. Vous aurez la possibilité de coder votre pensée qui sera saisie par quelqu'un si vous lui en donnez l'autorisation. Et moi, je pense que le Mais je transhumanisme, crois c'est pas. là. Je crois pas. Je crois C'est pas que ce hélas la soit suite. possible. C'est ce qu'ils cherchent à faire, c'est évident. Mais je crois pas que ce soit Qu'est-ce qui possible. pourrait les empêcher? Non, ils vont essayer, mais y a quelque chose dans l'humanité qui est assez curieux, qui est l'invention. Qui est un truc, si vous voulez. Il n'y a pas de rapport entre une ampoule électrique et une bougie. C'est un saut. Et l'invention, c'est quelque chose qui change une civilisation complètement. Ouais, si, il y a quand même un rapport entre la bougie et l'ampoule, c'est que les supports changent, mais la finalité est quand même la même, il s'agit de De s'éclairer, mais faire c'est plus du reculer tout la la même nuit, chose. l'obscurité, De etc. faire reculer Là, ce l'obscurité. sera exactement la même chose. Je pense que Moi, je Elon pense que Musk. l'invention, c'est un saut. Je pense que les gars qui font des inventions sont très près des artistes. C'est-à-dire que c'est une espèce de saut qui se passe. Ils comprennent d'un seul truc un truc, et ça change tout.
Et donc. Je suis d'accord, hein. Mais c'est le cas d'Elon Musk. C'est le cas d'Elon Musk, Pour moi, évidemment. c'est le Christophe Colomb de la civilisation Ou à venir. c'est le cas de Steve Jobs, ou c'est le cas de gars comme ça, qui ont cette espèce de façon, d'un seul coup, d'avoir un neurone de plus qui s'allume et qui leur montre ce qui pourrait être fait. Et donc, ça, cette espèce de saut qualitatif qui se passe, je crois pas que ça peut se passer d'un cerveau à l'autre. Vous pouvez pas le. Ça ne se peut se passer qu'à l'individu, c'est toujours celui qui fait l'invention. L'invention, c'est pas fait par cinq personnes, c'est fait par Oui, une. mais regardez, Elon Musk nous fait savoir que quand on aura ces microprocesseurs, ils seront connectés. Et vous savez très Oui, bien mais le... ben, ils seront connectés comme ils sont connectés dans mon ordinateur, mais Non, c'est par pas pour Wi-Fi, ça. par C'est par Wi-Fi. Wi-Fi, mais c'est pas qu'ils soient connectés, c'est pas important. C'est à quel moment, on n'a jamais compris le saut qualitatif de l'invention. C'est ce que disait Schumpeter, c'est la création destructrice. D'un seul coup, vous trouvez un truc et ça change le monde complètement. Le monde Complètement. n'est plus le Je suis même. d'accord. Le monde n'est plus le même. Et ça, on n'a jamais pu modéliser ce saut qualitatif. Sauf que ça advient. C'est-à-dire qu'un dans un ordinateur aujourd'hui, vous envoyez par les impulsions de Wi-Fi des informations qui rentrent sur un microprocesseur qui est branché sur mon cerveau, c'est fait. Vous êtes... Je crois pas ça, parce que Ben, hélas, honnêtement, si. c'est Oui, il y honnêtement, a une moi truie qui s'appelle j'appelle ça, Gertrude. parce que j'ai des racines chrétiennes, mais j'appelle ça l'étincelle divine. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous aurez une façon d'améliorer les choses, mais pas de changer, de bouleverser. Pour moi, il y a une espèce de saut qualitatif qui se passe à un moment et qui est incompréhensible. Ça doit être l'invention de l'écriture, des trucs comme ça, si vous voulez. Il y a Mais le gars j'ai. qui passe des petites figures à ABC. Mais vous avez raison, j'y pensais. On dit de Palamède qu'il est l'inventeur de l'écriture, de manière mythologique, mais si vous pensez que Palamède pouvait imaginer ce que ça donnerait aujourd'hui avec un ordinateur et de la dictée de l'écriture vocale, disons-le comme ça, il n'a pas pu imaginer ça une seule seconde. Je ne pense pas que quelqu'un comme Elon Musk, avec le projet qui est le sien, pourrait imaginer ce qui, dans 15 ou 20 siècles, va se passer. Mais ça va se passer. Il est en train de travailler sur ça. Il y a une truie qui s'appelle Gertrude sur laquelle il a mis des implants. Il y a quand même une société qui s'appelle Neuralink. Et si vous cherchez aujourd'hui en langue française quelque chose sur ce sujet-là, il y a quasiment rien. Quelques articles sur le net, mais pas un gros livre qui nous permettrait de savoir Si, ce que si. dit et ce que pense Elon Musk. Et c'est C'était. une fortune, c'est la fortune planétaire. Il a les moyens de faire ce que la NASA ne peut plus faire. Vous vous rendez Oui. compte? En Et fait, la donc, NASA, quand même, fait 75% de son budget. Hein. oui, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est la NASA qui le finance, parce Donne de l'argent, qu'il vous lui avez donne plein raison. d'argent, les trois quarts de son budget, mais simplement pour une raison simple, c'est qu'il envoie les fusées pour beaucoup moins cher que le faisait l'administration, ce qui est le propre du secteur privé par rapport au Et secteur ben public. voilà. Donc, ça, c'est pas. Et ben ça veut dire effectivement que dans la mesure où les États ne seront plus à même de gérer ces choses-là, ce sont les privés qui le feront. Et dans la mesure où les privés le feront, il n'y a pas de raison qu'un Chinois ou un Indien qui travaillerait sur la question de l'intelligence artificielle ou du transhumanisme n'y travaille pas. Si la perspective de, non pas de changer le monde, mais de faire des fortunes considérables, même de faire avancer le changer le monde, après tout, on peut imaginer que Elon Musk ait ce désir-là, moi je pense que rien n'arrêtera ça. C'est une force que rien Ben, c'est n'arrête. le vieux truc de Frankenstein et Oui. De son inventeur, de oui. son inventeur. Mais là, c'est là où on a probablement une différence qui est peut-être d'origine religieuse, j'en sais rien. Mais c'est que je crois qu'il y a quelque chose de complètement unique dans chaque personne et qui ne peut pas être transmise. Voilà. Et que les inventeurs, comme vous. Prenons un exemple. Vous prenez le cerveau de Picasso, vous lui mettez des trucs et vous l'envoyez chez le copain d'à côté. Je ne crois pas qu'il donnera des tableaux de Picasso. Eh bien, écoutez, Ben, je ne crois pas. Enfin, je vais me tromper, mais je ne crois pas une seconde. dans la Ou mesure deux, ou où il y a. Rembrandt, ou Vermeer, ou je sais pas qui. Mais nous donnons toutes nos informations qui sont dans les datas sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Mais tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a pensé, tous nos goûts, etc., on peut modéliser votre voix, on peut garder votre voix, pourvu que vous ayez enregistré 1 heure de conversation. Et donc, on peut très bien, dans votre cerveau, recharger les datas qui auront été données par vous-même de votre vivant, par exemple, et une fois que vous êtes mort, faire de telle sorte qu'avec votre voix, on puisse avoir dans un cerveau qui serait augmenté d'intelligence artificielle, votre pensée, je ne dis pas une répétition, mais votre pensée, parce qu'avec des algorithmes qui auraient permis de croiser. Je ne crois pas, c'est trop Eh gros. bien. Je crois que le cerveau humain est de loin, de ce que m'a dit un scientifique, en tout cas, la structure la plus compliquée de l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est plus compliqué, et en plus, on n'y comprend rien. On ne sait pas. Moi, j'ai été l'objet d'une. Pendant 7-8 ans, j'ai eu une espèce de dépression épouvantable. Personne ne comprenait rien. Et je comprends moi pourquoi j'en suis sorti. Donc, si vous voulez, le cerveau humain est une espèce d'une complexité telle que
les ordinateurs, c'est bien joli, la pensée artificielle, c'est bien joli, mais ça n'est jamais que des 0 et des 1 dans un ordinateur. Sauf l'ordinateur quantique. Et justement, quand on sera sorti du binaire, parce que si c'est 0, c'est pas 1, si c'est 1, c'est pas 0, mais dans la logique de la mécanique quantique, 0 et 1, ça peut être aussi en même temps, simultanément. C'est très macronien, hein, c'est le en Ouais, même temps. dis donc. Mais les calculs que peuvent faire aujourd'hui les ordinateurs sur le principe binaire, ça va pas très loin. Mais le jour où on aurait mis au point des ordinateurs quantiques, alors là, on commencera à égaler la vitesse de pensée et la vitesse de réflexion. Et c'est encore une fois, c'est pas une vitesse de pensée, c'est il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que, ben, si vous voulez, un taureau dessiné par Picasso, vous le reconnaissez immédiatement, quoi. Et ça, je crois pas que ce sera jamais Mais c'est possible. bien, tous les faussaires sont capables de vous faire un taureau à la mode Picasso. Ils sont tout à fait capables, Parce que mais. justement, ils ont intégré ce qui rend possible le style. Et les algorithmes sont susceptibles de vous fabriquer un faux. Pascal Pierre faisait ça, un faux Non, mais Rimbaud, hein, les gens qui sont ce que j'ai troublés. vu, c'est avec la conception assistée par ordinateur, vous pouvez prendre la Vénus de Milo et la répéter à l'infini, elle sera exactement similaire. Donc, ça pose un problème très grave de conservation de la valeur pour un certain nombre d'œuvres d'art, parce que vous saurez plus. Oui. J'ai vu ça. Non, mais l'intérêt, c'est de demander à l'ordinateur de faire un Vinci qui n'existe pas, à la mode de Vinci, et que Il y en a un qui les... vient d'être acheté en. en Salvatore Mundi, là. Salvatore Mundi Un qui vient d'être faux. acheté cette info. Enfin, Assez probablement. il paraît qu'il n'y a que la main qui soit ainsi. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais enfin, c'est un. Donc, pour vous, le danger, ce n'est pas tellement un danger sur nos libertés effectives, Non. mais l'incapacité de chaque citoyen, dans le fond, à découvrir par lui-même sa propre liberté, ce qui est beaucoup plus grave. C'est peut-être. J'ai fait pour Front Populaire un prochain texte, là, que j'ai appelé le cheval de Troie, mais le principe du cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est de ne pas comprendre que, sous un certain nombre de bons sentiments, il faut économiser la planète, il faut aimer les animaux, il faut être éco-responsable, il faut ne pas manger de Vous viande savez ce que ou. disait W.C. Fields, qui était un Américain, un humoriste américain, il disait: quelqu'un qui n'aime ni les enfants ni les chiens ne peut Oui. pas être mauvais. Oui. Non, mais tout ça, c'est vraiment fait pour qu'on adhère. On dit, mais tout le monde veut sauver la planète, personne ne veut polluer. Tout le monde veut faire de telle sorte que les tétraplégiques se remettent à marcher. Tout le monde veut faire de telle sorte que grand-père et grand-mère qui ont une maladie d'Alzheimer conservent leur intelligence et leur mémoire jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est ce qu'on nous présente. Et tout le monde souscrit. Et une fois qu'on a souscrit, on se dit, oui, mais les gens qui travaillent à faire de telle sorte que grand-père et grand-mère n'aient pas de problème avec Alzheimer, ce sont les mêmes qui font de telle sorte qu'ils vont travailler sur le processus de vieillissement du cerveau, qui vont travailler sur le processus cognitif, qui vont faire de telle sorte qu'ils mettront un jour dans un algorithme ce qui permettra à Picasso de faire ce taureau-là de cette manière-là et pas autrement. C'est là que je vois le danger. C'est pas dans le fait qu'on soit suivi parce qu'on aurait Donc, un vous, portable votre principal en poche. danger, c'est vous pensez que c'est une tentative par les hommes d'aujourd'hui de, dans le fond, changer la nature humaine à Oui, jamais, quoi. c'est le projet du transhumanisme. C'est celui-là qui vous terrifie, Vous avez quoi. un téléphone portable en poche et vous vous dites, mais on peut me suivre, on peut savoir que je suis à tel endroit, oh là 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 là, et puis si je remplis l'attestation Covid en disant que je sors pour aller voir ma mère ou je ne sais quoi, on se dit, mais Big Brother va savoir tout ça. Peanuts. Et là, on dit, bon, les gens sont quand même des citoyens très Alors, éveillés, etc. très bien, mais comment s'en protège-t-on? Alors l'idéal, ce serait de ne pas avoir de téléphone portable. C'est-à-dire que si on a... Mais on ne peut pas ne pas en Ah avoir. ben non, on peut plus. Ben, comment vous faites pour prendre votre billet de train, votre billet d'avion? Vous avez un contrôleur dans le train, il passe, vous lui faites voir votre téléphone portable. Si vous arrivez à la gare et que vous voulez passer, il faut passer au portillon, il faut avoir votre téléphone portable. Si vous ne l'avez pas, c'est sur un ordinateur, vous avez fait un tirage papier, mais c'est sur un ordinateur qui est connecté avec votre propre téléphone portable. C'est l'instrument de la servitude volontaire. Et c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde a cet instrument-là, parfois deux ou trois. Je vous ai dit tout à l'heure, une jeune fille, elle était avec trois téléphones portables. Elle en avait un, elle en avait un autre en Et elle poche, elle en avait regardait un les deuxième emails sur le dessus. troisième. Je lui ai dit, bon, il y en a un qui est professionnel, il y en a un qui est sûrement personnel, puis un troisième avec un usage, je ne sais pas, elle a peut-être deux professions. Mais c'est-à-dire Moi, j'avais que des amis qui avaient on un a. troisième téléphone pour s'appeler eux-mêmes, pour donner l'impression qu'ils étaient très occupés. Oui, Donc, ça vous peut être voyez. ça aussi. Mais je pense que là, il faudrait dire, mais je ne donne pas d'informations, mais vous ne pouvez pas ne pas donner d'informations, parce qu'aujourd'hui, être vivant, c'est donner des informations. Ben, ça a toujours été le cas. Pas toujours. Non, non, mais je veux dire. Un paysan, par exemple, de la toundra, qui, etc., il donne d'informations à personne. Personne ne sait où il est. Là, on est géosatellisé, on est vu, visible, on consomme, on sait ce qu'on consomme, ce qu'on aime, ce qu'on regarde, ce qu'on n'aime pas, les livres qu'on achète. À une époque, je me suis acheté une vieille montre, et j'ai cherché sur Internet un certain nombre de montres des années 50. Eh bien, j'ai Lip. reçu.
Non, c'est pas. Ils sont pas très jolis. Un peu traître, ça. C'était très intéressant. Non, mais j'ai cherché une LIP parce que vous avez raison, pour des raisons politiques, la défense de l'autogestion. J'aurais bien aimé une LIP de ces années-là. Mais c'était pas très joli. Elles sont très datées. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a un design qui moi, me plaît pas trop. J'en ai une qui est mon âge, là, 59. Et c'était plutôt ce que je cherchais. Régulièrement, chacun le sait, mais régulièrement, des informations sur les montres anciennes m'arrivent. Quand j'ai acheté un appartement, quand j'ai quitté Argentan, j'ai régulièrement les informations sur un appartement. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. J'ai perdu ma compagne d'un cancer. Et quand ma compagne a eu un cancer, quelques temps plus tard, elle a eu des propositions d'assurance obsèques qui lui sont arrivées par ordinateur. Oui. Donc, tout est su, tout est vu. Peut-être pas de manière nominative, mais simplement, vous avez des chiffres qui coïncident avec d'autres chiffres, qui font que d'autres chiffres... Vous commandez un livre sur Amazon et vous recevez 25 publicités sur des livres similaires. Sur ce sujet-là, voilà. Donc, c'est ça qui est plutôt inquiétant. Parce que finalement, on se dit, mais il y a effectivement, avec les big data, une identité de moi qui est quelque part à disposition d'un autre. Et vous savez que les big data, avec les énormes réservoirs de data qui sont au pôle Nord ou j'en sais rien, ça bouffe une fois et demie ce que bouffent les cargos qui nous empennent tous les trucs. Bien sûr. C'est des consommateurs d'énergie monstrueux. Absolument. Et ça, personne n'en parle. Hein. Vous avez raison. C'est pas politiquement correct. Donc, on a le droit de polluer quand c'est ça. Oui. Parce que justement, ça entre dans le processus de réalisation du transhumanisme. Parce que là, quand vous dites, mais moi, je roule avec une voiture hybride, personne ne dit, mais votre voiture hybride, elle suppose que nous pillons, que quelques-uns, du moins, pillent les sous-sols qui permettront d'avoir des matériaux rares, dont la Chine a aujourd'hui le monopole. Elle a le monopole de l'extraction parce qu'ils n'en ont rien à foutre de leur... Il y en a partout en Afrique, des métaux rares, par exemple. Il faut des routes pour aller chercher. La France ne le sait pas. Voilà. Et c'est pourquoi ils font des routes. Et c'est pourquoi ils font des ponts. C'est pourquoi ils font des gares. Et c'est pourquoi ils installent des lignes de chemin de fer. Mais ça leur permet de... d'exploiter le sous-sol. Ils ont aujourd'hui, avec des matériaux qui permettent des calculs extrêmement rapides, ils ont le leadership, par exemple, sur la vitesse des armes atomiques ou des armes de nouvelle génération. C'est exact. Ils ont trouvé, aussi bien la Russie que les Chinois, ont trouvé maintenant des missiles qui sont à peu près 10 fois la vitesse du son. Ça veut dire que tous les 12 ou 13 porte-avions américains peuvent être détruits en 5 minutes. Absolument. Donc, ça veut dire que l'instrument de projection du pouvoir américain, qui était ces porte-avions avec les flottes autour à 200 km qui arrêtaient tout, absolument. Ben là, il ne peut plus rien arrêter. Si vous avez gagné 2 nanosecondes, vous avez tué la planète entière. Vous l'avez battu, mais en tout cas, vous pouvez liquider la flotte américaine en 2 minutes. Absolument. Ce qui est un changement stratégique absolument incroyable. Donc, c'est ça qu'il faut intégrer. Et j'ai moins peur qu'on sache où je suis, parce que j'ai utilisé le traçage de Covid, que de me dire, mais la civilisation à venir sera totalement une civilisation de contrôle. C'est déjà beaucoup. C'est celle de... entre 1984 et le meilleur des mondes. C'est tout à fait ça. C'est un mélange d'Orwell et d'Huxley, et je pense qu'il y a des moments où on se dit, mais le soir, il y a des gens qui doivent prendre ça comme des bibles en se disant, il faut qu'on avance dans un processus orwellien ou dans le processus du meilleur des mondes. Moi, quand j'ai lu Huxley, je me souviens, j'étais au collège, 12 ans, 13 ans, 11 ans, je sais pas, et je me disais, mais c'est quand même ce qu'on appelle l'ectogénèse, c'est-à-dire l'idée de fabriquer des enfants en dehors du corps. Oui, tout à fait. Dans des utérus artificiels. Oui, mais dans des espèces qui sont en rang comme ça. C'est ça. Vous savez, bon, ça, c'est de la science-fiction. C'est plus de la science-fiction aujourd'hui. On peut faire on de n'est pas encore arrivé, mais... Ah, mais si, on peut. Il n'y a aucun problème. On peut aujourd'hui faire de l'ectogénèse en dehors d'un utérus de mais femme. Mais le bébé sera viable? Oui, 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 absolument. Vous pouvez aujourd'hui implanter des embryons dans des muscles d'hommes, par exemple. Tous les transgenres qui veulent porter des enfants, vous avez la possibilité, alors évidemment avec force piqûre, etc., mais c'est tout à fait envisageable. On n'a plus besoin d'un utérus de femme, on est obligé de le dire avec de la redondance, parce qu'aujourd'hui, l'ectogénèse est possible et pensable, et à un moment donné, on n'aura même plus besoin de tissu. On aura de tissus cellulaires. On aura juste des machines pendant que des tissus cellulaires pourront être clonés pour fabriquer les viandes artificielles que nous mangerons bientôt, puisqu'il faut économiser les animaux. Donc vous voyez comment, quand on est dans une logique végétarienne, végane, en disant qu'il faut économiser la planète, réchauffement climatique, la souffrance animale, donc tout ça, ce sont des bonnes idées, mais au bout du compte, il y a quoi derrière ? Il y a le complexe industriel qui va, en clonant des viandes, des cellules, nous fabriquer non pas du tissu musculaire, mais une espèce de bouillie de viande. Est-ce que ça sera bon ? Ah, ce sera sûrement bon, puisque de toute façon, ce sont comme aujourd'hui les yaourts que vous mangez parfois, yaourts au citron, il n'y a rien, il n'y a pas de citron dedans.
Il y a juste des colorants de citron qui font que vous avez l'impression du citron. Eh bien, dans ces cultures... Je bouffe des yaourts de fromage, de brebis, donc c'est très bon, ça. Mais quand vous mangez cette viande, aujourd'hui, vous avez des colorants, vous avez des goûts qui sont ajoutés et qui vous donnent l'impression... Vrai, je passais mes vacances quand j'étais enfant, je vous fais une petite anecdote, mais en Normandie, à Louviers, qui n'est pas dans votre Normandie, mais qui est un peu avant, quoi. Et j'ai des souvenirs de viande qui étaient bonnes. Et puis maintenant, je trouve que, sauf si je paye 100 euros le kilo la viande. Et encore, bah, j'ai pas les mêmes goûts. Hein. Ou alors je me dis, si je suis vieux. Pas du tout. Non, je pense que c'est pas. Alors oui, il y a ça. Il y a le fait que le vieillissement fait que les souvenirs d'enfance sont parfois un peu trop beaux. Bah, la fameuse Madeleine de Marcel Proust, par exemple. Mais, ou la taille des maisons. J'ai remarqué que les maisons, quand j'étais petit, et je ne les ai pas retournées, elles étaient immenses. Et puis maintenant, quand je les vois, je me dis, bah, non. Parce que l'image cérébrale, c'est faite quand vous étiez grand comme ça. C'est ça. Et vous avez gardé la même image, et vous avez une autre image d'adulte, et la coïncidence ne se fait pas, donc quoi, on a une espèce d'impression. C'est une espèce de Madeleine de Proust à l'envers, on dit, mais c'est petit, c'est marrant. Donc, pour vous, le principal danger, c'est pas la perte de notre... c'est simplement, on va à la racine de notre liberté individuelle, et on la supprime. Oui, parce que la liberté, je vous disais tout à l'heure qu'elle se construisait, si on ne la construit pas, on a affaire à des individus qui se croient libres, c'est ça le pire. Parce qu'il y a des moments où, quand on sait qu'on n'est pas libre, on est déjà un peu libre. Ne pas savoir qu'on est pas libre. Savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà bien. C'est ça, c'est déjà beaucoup. Mais ceux qui ne sont pas libres et qui ne savent pas qu'ils ne sont pas libres, c'est pire, parce que, en plus de ça, ils ont la prétention de dire qu'ils sont libres. Si vous avez plein d'enfants aujourd'hui, jeunes, qui vous disent... Ça doit amener à des crises de colère incroyables. Parce que si vous heurtez à quelque chose que vous ne comprenez pas alors qu'on vous a dit que vous étiez libre, et que vous ne l'êtes pas, vous pouvez faire des espèces de crises de fureur qui doivent toucher à la folie, quoi. Non, je crois pas. On est dans une autre pathologie qui est la pathologie du narcissisme et de l'égotisme. Et vous avez des jeunes qui ont 15 ou 16 ans, ils vous font des leçons. Moi j'ai eu ça avec la fille d'un copain qui me donnait des leçons en disant que j'étais islamophobe. Alors je dis, ayons une conversation sur l'islam. As-tu lu le Coran? Non, moi je l'ai lu. As-tu lu les hadiths du prophète? Non. As-tu lu la biographie du prophète? Non. Et je lui dis, mais alors, est-ce que tu sais me dire ce qui distingue les sunnites des chiites, par exemple? Est-ce que tu peux me donner un pays chiite, un pays sunnite, etc.? Est-ce que tu peux me donner la date, le siècle de Mahomet? Rien de tout ça. Mais elle estimait qu'elle pouvait avoir un avis sur l'islam. Et elle estimait en plus que mon avis, qui pouvait être informé, n'était pas un avis informé, puisque c'était un avis d'islamophobe. Donc le problème, c'est pas l'ignorance, c'est l'ignorance de l'ignorance. C'est-à-dire que les gens qui ignorent ne savent pas qu'ils ignorent. Socrate disait « je sais que je ne sais rien ». C'était déjà beaucoup. Eh bien, ces gens-là ne savent pas qu'ils ne savent rien. C'était l'oracle de Delphes, d'ailleurs, aussi, un petit peu. Oui, connais-toi toi-même, l'oracle de Delphes. Donc, venons à votre revue, puisqu'on passe de ça, là, parce que maintenant, on arrive à des choses pratiques. Front Populaire, vous parlez de l'immigration. Et vous venez d'y toucher, quelque part, avec le Coran, etc. Et moi, j'ai beaucoup lu Ellul, qui a aidé des choses, en disant, moi, je suis tout à fait... Très bien. Ellul est très bien, Ellul, hein, c'est un des hommes qui... Charbonneau, ils ont tous les deux. Et Ellul disait, moi, je suis tout à fait pour l'immigration, j'ai rien contre l'immigration. Il dit, mais l'immigration musulmane, c'est quand même un peu quelque chose d'un peu à part. Il en a fait des pages, vous avez dû les lire. Donc, la question que nous nous posons tous, moi je suis né en Syrie, quand je suis né en Syrie, il y avait la moitié de la population d'Alep qui était chrétienne, un quart qui était juif et le reste qui était musulman, et puis tout le monde s'entendait gentiment. Maintenant il n'y a plus un chrétien, il n'y a plus un juif, pareil à Bagdad. Donc si vous voulez, il y a eu une espèce de nettoyage ethnique qui s'est passé au Moyen-Orient, qui continue d'ailleurs, de toutes nos... Et je me pose la question, c'est... Et je vous la pose à vous, je n'ai pas d'a priori conceptuel, mais... Est-ce que la pensée islamique est compatible avec la civilisation, avec notre civilisation? Parce que c'est ça le problème de l'immigration. Est-ce que nous sommes en train d'importer une population qui ne peut pas vivre selon nos règles? Parce que pour revenir à Locke disait tout le monde est tolérant avec tout le monde, mais on peut pas être tolérant avec les catholiques parce que c'est Cornu, ils obéissent au pape. Ce qui est, vous changez, et c'est un peu la même chose, quoi. C'est, vous remplacez les catholiques par les musulmans, et voilà. Est-ce que la tolérance, est-ce que quelque part, vous savez, est-ce que, je crois que c'était Claudel qui disait la tolérance, il y a des maisons pour ça, ou il y avait une autre phrase que j'aime beaucoup, c'était celle de Burke qui disait, à un certain moment, la tolérance devient de la lâcheté. Et vous parlez beaucoup de lâcheté dans vos écrits. Oui, alors moi je pense que les civilisations supposent un texte sacré.
toujours. Il y a eu des codes divers et multiples, mais enfin, les civilisations, je sais pas, assyriennes, babyloniennes, précolombiennes, enfin, Toltec, Olmec, etc., toutes ces civilisations-là ont eu un texte de base et de référence. Si on ne prend que les trois monothéismes, par exemple, le judaïsme a le Talmud, ce qu'on appelle nous le Pentateuque, qui sont les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, et ce sont des livres qui ne sont pas dictés par Dieu, ce sont des livres écrits par les hommes qu'on peut donc interpréter. Et qui sont pleins d'erreurs. Et qui peuvent être pleins d'erreurs, puisque finalement les hommes les ont écrits. Donc le génie juif, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont iconoclastes, c'est-à-dire comme les musulmans, ils sont iconoclastes, c'est-à-dire on ne représente pas Dieu, comme les musulmans, comme les catholiques un temps, puis en fait il y a eu des conciles pendant 3 ou 4 siècles et, entre les iconodules et les iconoclastes, finalement. Ça s'est mis bien sur la gueule à Byzance, mais chez nous c'était un peu différent. Oui, non mais c'est un moment important, c'est-à-dire que on s'éloigne là. Je veux dire, en revenant sur la question du judaïsme, les juifs disent le commentaire est essentiel, d'où leur génie. Oui, bien sûr, le génie juif, c'est le génie de l'herméneutique, c'est le génie du pic-poule, etc., etc. C'est-à-dire que les musulmans disent ce texte n'est pas dicté, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu incréée. C'est-à-dire, c'est un texte incréé. Déjà, si vous dites, mais c'est un oxymore, un texte incréé, un texte, il a un créateur. Eh ben non, voilà un texte qui est incréé. C'est-à-dire que, autant il faut interpréter pour comprendre chez les juifs, donc vous avez le développement ça n'est pas nécessaire pour les musulmans. Du génie herméneutique, alors que chez les musulmans, on ne peut pas interpréter. C'est pas possible d'interpréter. Depuis voilà. Le congrès, depuis le de concile que de les civilisations ne sont pas du tout les mêmes. Et de fait, la question de l'immigration, c'est tant qu'on est dans des logiques civilisationnelles qui ne s'opposent pas, il n'y a aucun problème. Entre les juifs et les chrétiens, il y a le judéo-christianisme, il n'y a aucun problème. Mais si on est, et personne ne dira, par exemple, des évangélistes qu'ils disent la vérité, que c'est Dieu qui parle. Non, ce sont des évangélistes qui parlent au nom de Dieu, qui lui-même n'a pas parlé, mais c'est son fils qui, Jésus. C'est tout à fait vrai. Mais ça c'est autre chose, c'est que pour moi, Jésus n'ayant pas historiquement existé, c'est une forgerie. Il y a des livres qui étaient écrits par des types d'hommes, je ne sais pas quoi, qui s'appelaient à la manière de... Vous savez, vous écrivez des bêtises à la matière... Des pastiches, un peu. Ou des pastiches, c'était à mourir de rire. J'adorais ça quand j'étais gamin, je ne sais pas pourquoi. Et... Je vais vous dire un truc, les paroles du Christ... J'ai fait un livre sur Jésus qui s'appelait Un libéral nommé Jésus. Et je n'ai pris que les paroles qu'il a dites. D'après ses apôtres, j'ai pas pris les commentaires, j'ai pris juste ce qu'il a dit. Et c'est toujours le même ton. C'est toujours le même ton, ça ne peut avoir été dit que par une seule personne, parce que la façon dont il parle est complètement étonnante. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que personne ne peut faire un truc à la manière de Jésus. Quand vous lisez ça, et ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'avais écrit ça pour des raisons historiques, parce que j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », et les gens m'avaient dit, c'était sur l'économie, et ils m'avaient dit « C'est très bien ce que tu expliques, mais ça n'est pas chrétien ». Bon, et j'avais dit « Pourquoi c'est pas chrétien ?» Parce que c'est pas dans les évangiles. Donc j'avais relu les évangiles dans le détail, mais en prenant que les paroles du Christ, et il n'y a pas une erreur économique. Tandis que la Bible des Juifs, la blanche, l'Ancien Testament, c'est plein d'âneries. Tandis que là, si vous voulez, il parle d'économie tout le temps, le Christ. L'intendant infidèle, etc. Il y a pas une erreur économique. Donc c'est le seul texte que j'ai vu dans ma vie où il n'y a pas une bêtise par rapport à la théorie économique qui a été développée 20 siècles plus tard. Donc c'est pour ça que je me dis, je ne sais pas si Jésus a existé ou pas, mais en tout cas, il y a un gars qui a dit ça. Vous savez, c'est la fameuse blague, Shakespeare n'a jamais existé, mais ça a été écrit par un inconnu qui d'ailleurs s'appelait Shakespeare. Je ne sais pas si c'est Jésus a pas existé, mais le gars qui a dit ça, il a existé. Individuellement, parce que personne ne peut dire, ne peut parler comme ça. C'est ce qu'avait dit un serviteur du temple. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai du mal avec. Mais allez-y, continuez. Oui, non, mais en fait, les évangélistes, enfin, vous avez parlé des apôtres, c'est pas les évangélistes, comme vous savez, mais les évangélistes, aucun des évangélistes n'a historiquement connu Jésus. Pour une raison bien simple, c'est qu'il n'est pas existé, mais ceci dit, même s'il avait existé, ils écrivent 50 ans plus tard. Non, mais Jean aurait pu écrire 50 ans plus tard. Il avait 18 ans au moment de la crucifixion. Enfin, bref. Le sujet n'est pas là, il est que Jésus est annoncé par les juifs, et certains juifs disent il est déjà venu, ça donne les chrétiens, les judéo-chrétiens, d'autres disent pas du tout, Jésus est encore, le prophète est encore à venir, et ça reste les juifs. Donc après ça, on a fabriqué un Jésus historique, et le Jésus historique, il s'est fait sur les siècles, et quand c'est mais les paroles n'ont jamais changé. C'est là, les évangiles qui ont été acceptés, je crois.
Mais ça a été écrit en araméen, ça a été écrit en grec, et par la suite, au IVe siècle, c'est traduit en latin, et ensuite, le latin est traduit, etc., etc. Donc, il y a une espèce de déperdition, c'est écrit par des gens qui veulent absolument que Jésus existe, et on leur a dit. Et ils se disent, tiens, Jésus n'est pas présent, on va rajouter un petit bout, etc. C'est la même chose chez Tacite, Suétone, chez Flavius Joseph. On va pas repartir là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous étudiez, quand vous commentez le ton d'une écriture, il y a une ce que j'essaie de dire, c'est que dans chaque écrivain, il y a une espèce de musique interne, qui est une espèce de façon qu'il a d'écrire. Vous avez une musique interne, par exemple, très spéciale vous-même. Et on vous reconnaît. Mais c'est la musique du traducteur. Non, ce n'est pas la musique du traducteur. Parce que quand vous soyez. C'est que vous lisez la Bible de James, qui a été traduite donc au 14e, 15e siècle, en anglais de l'époque et tout. Et puis vous lisez la Bible de Luther en allemand, vous lisez en français, traduit par les plus grands. Eh bien, la musique est la même. C'est ça que je trouve très extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, la Bible de James en Angleterre est une merveille de la littérature anglaise. C'est un détail, mais ça, si vous voulez, ce que je veux dire, On était parti sur les civilisations. Et la différence entre la civilisation chrétienne et les deux autres, c'est que les deux autres, quand même, d'abord, c'est des civilisations du livre, alors que nous, c'est pas un livre. Quand vous regardez les évangiles, c'est la rencontre avec un type tout à fait étonnant, c'est pas un livre. Pour moi, si vous voulez, c'est la rencontre avec une personne qui est tout à fait étonnant. Non, mais le Christ, il vous dit jamais ce qu'il faut faire. Si. Jamais. Il vous dit, pas la pierre à la femme adultère. Mais ça, il l'a dit, toujours. Et alors, ce qui est très marrant, justement, c'est quand vous regardez, lisez les évangiles. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Mais il vous dit pas comment aimer les uns les autres. Tandis que dans les juifs, justement, c'est là où ça paraît complètement nouveau. C'est que dans les juifs ou les musulmans, vous avez 42 textes qui vous disent comment aimer, comment ne pas aimer, comment ceci. C'est des orthopraxies. Si vous respectez la règle, tandis que moi, ce qui m'a toujours tué avec le christianisme, c'est que le Christ lui dit « Viens et suis-moi », mais je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire « Viens et suis-moi ». Non, c'est autre chose, mais aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu, c'est clair. Quand le Coran vous dit « Ah ben non, il y a une hiérarchie, on peut aimer les musulmans, mais les juifs, on ne les aime pas, et les chrétiens non plus, et on les… » Justement, c'était un message, quand il dit « Je vais vous dire une bêtise, vous savez, j'ai un garçon que je connais, qui mesure 2 mètres de haut, qui est costaud, qui joue deuxième ligne au rugby, et qui est prêtre. » Donc, ça a dit que c'était la région de Toulouse. Et donc, un jour, je lui dis, alors explique-moi comment tu fais sur le terrain de rugby pour tendre l'autre joue. Vous savez, c'est une question intéressante. Il me dit, oh, c'est pas difficile du tout, Charles, tu te rends compte. Le Christ nous a dit, si tu reçois une claque, tendre l'autre joue. Et puis, il nous a pas dit ce qu'il fallait faire après qu'on ait reçu la deuxième claque. Vous avez le droit de lui rentrer dedans à ce moment-là, puisque il n'a pas précisé ce qui se passait après la deuxième. C'est un jésuite, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui me fascine, moi, dans les évangiles, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. On ne me dit jamais ce que je dois faire, à part d'aimer les uns les autres, ok? Comme je m'aime moi-même, mais je ne suis pas certain que je m'aime moi-même, pour commencer. Le message de Jésus, c'est quand même un message d'amour absolu, total. C'est un message d'amour absolu, total, mais il ne vous dit pas les moyens. Jésus, à aucun moment, il ne dit à Pierre ou à Paul, va faire ça ou va faire ça. Il dit, si tu veux le faire, tu le fais toi-même. Mais tu ne vas pas m'emmerder, c'est à toi. Si, aller enseigner les peuples des nations, etc. Il dit aller enseigner les peuples des nations, mais les types, ils partent, et puis si vous... Parce que Jésus l'a dit. C'est le patron, quand même, c'est le boss. C'est le patron, mais il ne vous dit pas comment le faire. Il dit, va faire ça, occupe-toi des pauvres, mais les moyens techniques, il n'en parle pas. Alors que vous prenez la Torah, c'est plein... de conseils, de qu'est-ce qu'il faut faire, on peut pas faire cuire du lait avec des viandes, etc. C'est tout. Tandis que ce qu'il y a d'affolant dans le... Moi, je prétends que c'est une religion qui rend tout le monde malheureux. Parce qu'on a, on sait pas si on fait bien ou pas. Personne ne me le dit. Les juifs invitent à la Je peux pas être un bon catholique. Je peux pas être un bon catholique. Je peux être un bon juif, je peux être un bon musulman. Ils invitent au respect de la loi, les juifs, dont la circoncision. Et physique. Et donc, Saint Paul dit, non, la circoncision, c'est la circoncision des cœurs, c'est la circoncision de la bouche, c'est la circoncision des yeux, c'est la circoncision des oreilles, la circoncision de l'âme. Il dit, c'est pas physique, la circoncision. C'est ce que je dis. C'est simplement un respect de la loi qui ne sera pas, tu ne mangeras pas l'agneau dans le lait de sa mère, etc. C'est pas ce genre de prescription. C'est la prescription de l'amour.
Si la circoncision, c'est la plus difficile, mais elle n'est pas précise, l'amour. Si, aimer, chacun sait ce que c'est. C'est ne pas frapper, c'est ne pas détester, c'est ne pas haïr, c'est rendre le bien pour le mal qu'on reçoit. Enfin, c'est l'amour du prochain, c'est le pardon des offenses. Et si on attaque votre prochain, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, c'est la grandeur, et ce sont les limites aussi du christianisme, que de dire, dans un camp de concentration, toi, juif qu'on persécute, il te faut, bon, pas juif, puisque finalement, il ne pourrait pas être chrétien, mais je veux dire, toi, chrétien qu'on persécute, eh bien, il te faut aimer ton bourreau. Ah, tu peux aimer ton bourreau, mais est-ce que je dois moi, en ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que j'ai le droit de ne pas défendre le faible qui est attaqué par un fort? Ça dépend ce que vous appelez défendre, pour le coup. Ben, si un chrétien défendre, pour lui, ce sera pas agresser physiquement, ce sera dire prépare-toi à la mort, le royaume des cieux t'attend, et si tu ne détestes pas, Dieu t'accueillera juste après ta mort, et ça ne va pas tarder, et puis voilà. Oui, mais on est parti loin, continuez, pardon. Non, mais c'est parce que ça me touche trop. Des civilisations. Moi, je pense que ça dépend de l'islam, parce qu'effectivement, si vous allez aujourd'hui dans les Émirats arabes, ou si vous allez dans un pays extrêmement pauvre d'Indonésie, la façon d'être musulman n'est pas la même. Vous avez l'islam guerrier et l'islam marchand, qui n'ont pas tout à fait les mêmes. Si vous allez dans les Émirats, par exemple, vous avez l'impression d'une immense modernité, ils sont câblés, ils sont, enfin, en plein milieu du désert, vous avez des immeubles de je ne sais combien d'étages et tout est climatisé. C'est pas, je pense que c'est l'islam du futur. Ce sera pas forcément celui de la planète, mais qu'il y a une compatibilité entre cet islam-là et la modernité. Est-ce que ça fait pour autant des inventeurs? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut avoir des gens qui sont capables d'acheter le meilleur de la technologie occidentale. Maintenant, ceux qui aujourd'hui font avancer la conquête spatiale, c'est Elon Musk et il est judéo-chrétien. Judéo-chrétien. De formation judéo-chrétienne. Et sud-africain. Ce qui n'a rien à voir, mais parce qu'il a déjà tout perdu, oui. Je veux dire, quelque part, c'est... Les gens qui prennent des risques insensés, c'est des gens souvent qui ont déjà tout perdu une fois. Donc c'est parce qu'ils s'en foutent après. Ils ont leur déjà rêvé une fois. Mais écoutez, je ne veux pas vous. J'ai été vraiment très content de cette conversation. Bah écoutez, merci, moi aussi. Et puis, je sais que votre revue marche très bien. Mais on n'a pas vraiment résolu le problème de est-ce qu'on a un problème civilisationnel grave entre le monde musulman et le monde chrétien, c'est le monde judéo-chrétien. C'est ça, pour moi, c'est la question essentielle, parce que Huntington, dans son livre, là, La guerre des civilisations, je ne sais plus comment elle s'appelait, Le choc des civilisations, que j'avais lu, il disait que il écrivait que les frontières de l'islam sont sanglantes partout, donc on allait avoir des problèmes, quoi. C'était plutôt bien vu. Les gens avaient dit à l'époque c'est une bêtise, mais quand on regarde 20 ans après, on se dit c'était plutôt pas bien Absolument. Vu. Donc, c'est un enjeu, hein, à l'époque. C'était Huntington avec le choc des civilisations, ou alors Fukuyama avec la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Et la fin de l'Union soviétique, du mur de Berlin, etc., faisait dire à tous les libéraux, c'est formidable, c'est la fin de l'histoire, maintenant le capitalisme va régner sur la totalité de la planète. Et Huntington disait pas du tout, il y a des tectoniques des plaques, et ça chauffe très précisément là où il y a des civilisations qui sont en conflit. Et si vous regardez la carte du monde, et que vous regardez ce qu'ont été les conflits depuis le choc des civilisations, il a eu raison, j'allais dire hélas. Il a eu raison, c'est ça. Il a eu raison, hélas pour les guerres. Mais hélas oui. Pour les guerres. Mais il ne faut pas oublier que dans le monde musulman, la guerre n'est pas une malédiction. Non, au contraire. Et nous sommes sur une tectonique des plaques, et d'ailleurs, le point de friction, il s'appelle la Turquie. Tout à fait, il s'appelle la Turquie. Et c'est un peuple volatile. Et, le peuple turc. Turc, oui, c'est un peuple volatile. Et qui n'a pas laissé que des bons souvenirs dans tout le Moyen-Orient, si vous voulez, parce que, et même dans les Balkans, parce que quand ils avaient une certaine façon rude de gérer leur empire, quoi, c'était pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ils continuent. Ce qui se passe en Arménie aujourd'hui, c'est très exactement la suite du génocide. Et ils disent, eux, très précisément, qu'ils sont à un point de friction. Et ça donne très exactement raison à Huntington. Et on va conclure là-dessus, mais vous savez ce que disait Charles Jenison, puisque vous l'avez mentionné. On lui demandait, un journaliste lui disait, où aura lieu la prochaine grande guerre? Et il avait dit à la frontière entre la Chine et la Turquie. Parce que toutes les peuplades qui sont au nord de l'Himalaya, qui vont jusqu'à la Chine, ceux que les Chinois sont en train de martyriser en ce moment, vous savez, les Ouïghours, etc. Non sans raison, dans la perspective que vous signalez, bien sûr. Ce sont des Turcs. Parce que s'ils ont tourné à gauche, c'était des Turcs, ils ont tourné à droite, c'était des Mongols. Donc, quelque part, la terreur de la Chine, c'est qu'il y ait un leader maximo là, qui arrive en Turquie et qui refasse l'unité du monde turco-mongol. Absolument.
Et à ce moment-là, les Chinois, ils sont mal barrés. Hein. Vous voyez, vous répondez à la question que vous posiez et je souscris à votre réponse. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi.